Salut à tous les gamers, c'est Wartech et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Call of Duty bien sûr. Eh bien salut à toutes et à tous, pardon je suis foufou. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de Far Cry 4 bien sûr. Comme convenu, nous allons faire l'avant-poste qui est juste ici avec deux alarmes et puis on ira rejoindre le Sentier d'Or bien sûr. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et si c'est le cas, vous mettez un petit like. Et si ça va pas, vous mettez un dislike. Et puis si vous avez oublié, bah entre temps, à la fin de la vidéo, je vous le rappellerai, vous inquiétez pas. Le petit commentaire également qui fait plaisir. Non, j'ai confondu cette feuille rouge avec un ennemi. Je me suis dit, oh là là, je vais me faire mitrailler, mais absolument pas. Bref, dans le dernier épisode, mine de rien, il s'est passé énormément de choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu excité comme ça. Parce que, la mission du Sentier d'Or, elle vient de bouger. J'ai vu sur la map en bas à gauche, elle a bougé. On a vu quand même pas mal de choses. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a vu sa balle. On a eu des hallucinations. On a vu sa balle comme un méchant. Alors oui, ça fait réfléchir parce que c'est métamorphore. Bref, c'est de la métaphore. Tu vois, moi c'est ce qui me plaît dans ce genre de jeu. C'est métaphorique. Je veux dire, renverser le pouvoir, mais pour faire quoi derrière? Pour faire la même chose au final. Bon bref. Mais du coup, est-ce que finalement Sabal est vraiment un connard? Parce que Amita, c'est ce qu'elle nous dit. Amita, elle nous dit c'est un connard. Mais jusqu'à présent, Sabal, il nous a sauvé la vie. Il nous. Voilà, on. Bon, vous aimez pas Sabal, j'ai compris en commentaire. Mais vous êtes bizarre. Non, je rigole. Et du coup, voilà quoi. Je me dis, attention tout de même, gardons ça en tête. Gardons ça en tête. Bon, du coup, j'ai pas compris où sont les alarmes. Parce que je parle. On voit pas le fond. Là il y a une alarme, oui je sais. Elle est derrière là. Mais elle est où l'autre? Ah putain, les deux elles sont en intérieur. Ah non. Ouais bon d'accord, j'ai compris. Bon, on va éviter de chier dans la colle comme l'autre fois. Hein, on va essayer de... Ah ouais, mais vous faites chier là aussi. Mais d'où il y a un masto qui sort de nulle part, frère? C'est bon. C'est pénible. Bon, faut vite que je me dépêche avant qu'ils arrivent parce que ils vont réussir à foutre le bordel. Ils vont réussir à foutre le bordel. Bon, vous allez voir, le sniper, à mon avis, il est un peu aveugle. Je me suis mis dans une merde. Je me suis mis dans une panade. On bat les couilles. M'en bats les couilles. Je m'en bats les steaks. Je rigole, je me chie dessus. Je me chie dessus. Oh mon dieu. Ils m'ont pas vu et j'ai désactivé toutes les alarmes, je suis un génie. Sucez-moi la queue, merci, bonsoir. Under pressure. Under pressure. Merde. Alors ça c'est gênant. Ah. C'est gênant. Bonsoir, n'oubliez pas le like. Merde. Hop, toi t'as rien compris à ta life. J'ai pas compris qui m'a mitraillé la figure là. Je vais me prendre un mortier dans la face. C'est ça qui est bon. Ah mais y'a un mec au dessus je pense. Aïe. Mais il est où le mec? Ok. Oh bah alors lui. Ah. Ah ouais d'accord. Allez. Bon allez, peser emballé. Ouah, je me suis un peu fait peur encore dessus. Eh, 17 sur 24. What? Il reste plus que 7 avant-postes à faire. Oui j'ai compté sur mes doigts. Et alors? Plus que 7 avant-postes à faire. Attendez, c'est un... Ouais bah c'est ça en fait. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Waouh. Et après, il reste deux forteresses aussi. Ici et ici. Et là, c'est la forteresse, messieurs, dames, de Pagadmin. Donc ça, c'est la fin du jeu, là. Hein. C'est la fin du jeu. Et là, c'est... Oh, vous avez affaibli la forteresse de Yuma. Mais oui, on a tué Yuma. Mais c'est le moment. C'est le moment d'aller faire la forteresse de Yuma. Oh my god. Ok, bon, de toute façon, là... On va, si ça se trouve, ça va être la mission qui nous attend, je sais pas. Là, on va aller voir le sentier d'or. Mais ça va être le moment, en effet, d'attaquer la forteresse de Yuma. Mais la mécanique de Far Cry 4, elle est quand même bien faite. Hein. Tu tues les avant-bras, comme on dit, pas les avant-bras. Tu tues les bras droits du dictateur, et comme ça, après, tu peux casser leur forteresse et scier ça, tu vois. Laissez-moi danser. Laissez-moi. Bah, c'est un petit peu pareil, évidemment, sur les nouveaux Far Cry, mais c'est fait différemment, quoi. Et je trouve ça assez intéressant. Bonsoir. Bon, ça, je peux pas vendre. Peau du poisson démon, mais j'en ai besoin, je crois, pour confectionner quelque chose, on avait dit. Hop, voilà. On en a chié, quand même, dans le dernier épisode. Hein. Je tiens quand même à vous le rappeler. Ah, c'est chouette, ça, comme pistolet, ça. Non, mais en fait, on a vraiment le meilleur pistolet possible. Hein. Ah. Ouais, on a vraiment le meilleur pistolet possible, hein, en tout point. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, libération d'otages, j'ai pas le temps pour vos conneries. Bon, ah si, purée. Ah, si tu fais de la pitié, moi je veux... Allez, hop. T'inquiète, je vais tuer tout le monde. Je vais tuer tout le monde, moi. Même les otages. Et en plus, c'est... Ah non, c'est pas du tout vers là où on est censé aller, mais à peu près. Allez, on y va, les amis. N'oubliez pas le like. Comme d'habitude, je force. Mais vous savez que je suis un forceur. Libération d'otages. Vous voyez ces deux là-bas? Ah bah c'est des gentils. Ah, j'allais faire une dinguerie. Ah, attendez, il y a un moulin à prière, ça fait longtemps que j'ai pas fait de moulin à prière. Et on fait tourner les moulins. Hop là. Ça se passe ici. Et on fait tourner. Est-ce que je peux confectionner des seringues? Absolument pas. Est-ce que je peux traverser? Absolument pas. Est-ce qu'il y a un avant-poste à côté? Absolument. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Je suis désolé, on les enchaîne. Après on va me dire, prends ton temps Mkolo, prends ton temps. Mine de rien, je ne sais plus combien d'épisodes on a fait sur Far Cry 6. Beaucoup, me semble-t-il. Mkolo, ouvre les trésors. Mais c'est bon, on a assez, on s'en fout. Laissons au peuple ce qu'ils ont. Mais là, mine de rien, on est presque à 30 épisodes. Far Cry 3, je sais plus combien d'épisodes on a fait. Peut-être autant, je ne sais pas. Mais je pense que ça va être une aventure assez longue. Comme ma tub. Alors... Ok, deux otages là-haut. Je pense qu'ils seront épargnés. Un troisième ici. Comme d'hab, le quatrième, je sais jamais où il est. Et c'est celui qui va mourir. Un plaisir. Bon, on va éviter de chier dans la colle comme l'autre fois. Ah, il y a un masto. Ah, il voit super loin le masto. Je suis pas humble là. En fait, à partir du moment où il y a un masto, je suis pas... Je suis pas humble quoi. Et attendez, il y a vraiment un avant-poste à côté. Ouais, il y a vraiment un avant-poste à côté, putain. On va se le faire, je suis désolé, on va se le faire. La map est petite, hein. La map est petite, j'insiste, hein. Regardez, c'est ouf. C'est ouf. Il y a une tyrolienne, il y a moyen de faire un truc rigolo, là. Alors, si je bute le sniper, je risque de me faire cramer, mais j'en ai rien à péter. Voilà. S'il te plaît, reste sur le toit. Oh non. C'est bon. Moi, vraiment, ma crainte, c'est qu'il tombe, quoi. Oh, ce serait dommage pour le corps. Non, du coup, bon, je pense que le dernier otage, il doit être à l'intérieur. Bah là, ça va me permettre de descendre, en fait, tout simplement. Et attendez. À la one again. Voilà. Ça, c'est fait. Hop, on fouille. Non mais c'est une blague. Non c'est une blague. Bah ouais mais mon ref. Mais comment c'est possible? Mais à quel moment le mastodonte il dit tiens, je ne suis pas monté, je vais monter. Non mais c'est pas vrai. C'est insupportable en fait. Bon, vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Bah y'a plus de masto, ça y est. Bah, y'a plus de sniper, y'a plus rien. Quoi? What? Ah, ils l'ont enlevé?
Attends, ne me dis pas qu'ils l'ont enlevé pour me faciliter le jeu. Ça m'étonnerait fort. Ah ouais, ils ont enlevé le sniper et le mastodonte. Oh putain. Trop bien. Pas du tout. Par contre, j'avais oublié que je pouvais assassiner le mastodonte grâce à mes points de compétence que j'ai débloqué. Attendez, ça, ça fait plaisir, ça. J'ai débloqué ça quand? Ah ouais, exécution sur les artilleurs. Incroyable. Pourquoi utiliser un lance-roquette? Mais c'est incroyable. Je suis trop fort. Suivre les règles. Ne provoquez pas les soldats de Pagan. Ah, la pété. Bon, c'est dommage d'avoir échoué, mais au moins j'aurais appris quelque chose. Voilà. Mais attends, on va faire ça bien. Voilà. Allez, Taras. Bon. Tuer tous les gardes. Oh non, il en reste un. Il reste un garde. Où ça, mon ref? Ah, il y a peut-être le sniper encore qui a répop. Attendez. Pas du tout. Ah si, totalement. Bah alors, mon ref. Ok. Bah j'ai... En fait, du coup, j'ai... Ah non, il en reste un encore. Putain, eh. Mais je suis un, eh, j'ai fait ça comme s'il y avait plus personne alors qu'il y a encore plus. Enfin, il y a autant de monde qu'avant. J'adore. J'adore ce jeu. En fait, je suis absolument trop fort. Voilà. Allez, ça dégage. Hop. Ah, bah il était là le quatrième. Bon. Ceci étant dit, ceci étant fait. Désolé pour ce contre-temps. Hop, on passe par là parce qu'on est des cascadeurs. Bien évidemment, on passe par là également parce qu'on est des cascadeurs. On n'est que ça à partager. T'inquiète, mais gardez la monnaie. Tenez, prenez ça. Gardez la monnaie. Bon, voilà. Alors, bon, l'avant-poste ici, le sentier d'or là. Oui, on va faire l'avant-poste, bien sûr. Ah, la fumée, elle est à 200 mètres, frère. C'est aussi loin que le sentier d'or, donc c'est aussi proche. Hein? Bah oui, les gars, si déjà on est lancé, ça fait à peine 12 minutes qu'on a commencé l'épisode. On est en train de faire. Voilà, on va finir le jeu dans cet épisode, moi je vous le dis. Hein. Ah, moi je vous le dis. Hein. Non, peut-être pas, mais enfin. Attends, bouge pas. Je suis absolument, mais monstrueux. Je suis un as du lance-patate. Je suis un as du lance-patate. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, allez. On y va. Attendez. Excusez-moi, il faut encore que je regarde un truc confection, les poissons démons. Là, j'en ai besoin du coup ou pas? Ah oui, c'est ça, pour le sac à butin. Bon, rien à péter, moi, du sac à butin, c'est bon. Je ramasse déjà plus les coffres, frérot. Oh, je suis hautain. Comme Greg. Greg Guillotin. Alors du coup. Non, je viens de capter son nom de famille, c'est un jeu de mots, c'est ça? Greg Guillotin? Autin? Greg Guillotin? Non, c'est un jeu de mots? Bref. Alors du coup, deux alarmes comme d'hab. En fait, quand il y a une alarme, c'est bien, mais quand il y en a deux, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est un éléphant. Ok. Là, j'ai eu un peu peur. Non, ça faisait longtemps que je vous l'ai pas fait. Un éléphant en roi se trompe parfois. Et dans ceci mal que vous et moi. Un éléphant en roi, je ne me trompe pas quand je me dis qu'il faut qu'on s'aime. Ah. Ah. Non. Dur. Bon. J'ai une alarme en vue, mais j'ai pas la deuxième aussi. Voilà. Bon, et de toute façon, ça mange pas de pain. De toute façon, dans tous les cas, ils vont me cramer sans me voir. Donc, autant que je la détruise. Voilà. Bientôt un cadavre de plus, connard! Mais non! Je descends! Bien compris! Au nom du roi! Hey. Bon, je me chie dessus. Je crois que t'as une chance! Chut. Enfoiré! Je vais t'envoyer! Voilà! Ah! Ah! Ah, j'aime pas les hanches. Bon, y'a plus d'alarme, ça c'est fort de ma part. Qu'est-ce que c'est? En vrai de vrai, En vrai de vrai, Sartek le dégradé, Mohamed. Hein. En vrai. Eh, hey, on commence à s'y faire. On commence à s'y faire tout. Mais tu es toujours à tout. Bon,
Eh, par contre, libération d'otages qui va me proposer, hein. Voilà, rien à péter, hop. Ah, c'est gênant, hop. Ah, c'est gênant, hop. Bon, allez, tu m'as saoulé, frérot. Cocktail molotov, hop, ça dégage. Voilà. Bah si. C'est qui crie non? Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 je ne veux pas travailler. Allez, on va aller voir enfin le sentier d'or, les amis. Vous l'attendez depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps que tu l'attends. Qu'est-ce qu'on a là? Très bien. Des yaks. Yaka danser. Temple de Manueta Gari. Ah. Ah. C'est embêtant ça. C'est embêtant. C'est ainsi que tombent les royaumes. Je ne mourrai pas avec lui. D'accord. Oh. Ah. D'accord. C'est un petit peu gênant. Il est où l'autre coffre? Ah putain, je l'avais pas vu. Ok, bon allez, voyons voir le sentier d'or. Et là je vais voir le clocher, je vais vouloir y aller à tous les coups. Bah voilà. Me dis pas que ça c'est le clocher ça. Non. Oh, c'est un temple. Oh, j'adore la culture d'ici, je vous jure. Eh, regardez, le clocher il est là. Ouais, mais si j'y vais. Non, j'y vais pas parce que si j'y vais, je vais vouloir faire la forteresse derrière directement. Mais non, nous on va au sentier d'or. Allez, go. Faut arrêter de déconner. Faut pas déconner. Faut pas déconner. On va peut-être rester sur les hauteurs là. Non, bah vas-y, on va se laisser porter. De toute façon, rien à péter là. Voilà, au pire, on prendra une bagnole et puis c'est tout. Hein. C'est beau là, regardez cette petite île là. Oh, j'aime beaucoup. Kev, Kev, Ko. Manekin Echo. Qui peut me tester en déco? Oh, des ours. J'atterris vraiment au bon endroit, moi. Incredible. Bon, c'est bon, ils ont l'air assez occupés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Waouh. Et quand ils se lèvent comme ça, ils m'excitent. Hein. Bon. Allez, 200 mètres à parcourir. Avec des ours aux fesses. Bon, rien de bien très inquiétant. Bien évidemment. Voilà, on profite évidemment de cette belle vue. Oh, ça va les refs? Comment ça va par ici? Je ne sais pas ce qui va se passer. Comme dit là, il reste plus que plus que Pagan en fait. Hein. Plus que Pagan à affaiblir et puis sa forteresse. Ce sera la forteresse finale. On aura terminé le jeu. Bonsoir, merci à tous. Posez remballé. Mais c'est bon, il n'y a plus d'aigle là, frérot. Hein. C'est fini, les gars. Ah, il y a peut-être des méchants. Bon, bah, démerdez-vous. Hein. Attention, je vais prendre une balle. C'est bon. Ça aurait été un petit peu dommage, quoi, de tirer sur AJ. AJ Gale, fils de Mohan. Hein, ça aurait été dommage, quand même. Ah, des cochons. Oui, je confonds les cochons et les sangliers. Vous vous êtes moqué de moi en commentaire. J'ai vu, ça fait plaisir. Ok. Attends, bouge pas. Vous avez jamais vu du feu, vous? Eh, hey, il se passe quoi là-bas? À l'aide, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas? Attends, non, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il envoie du feu partout, lui? Il est teubé ou quoi? Attends, je vais lui montrer c'est quoi la vie, moi. Ah oui, il est en train de détruire des arbres. Tu vas voir, mon grand. Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman? Le mec me regarde avec sa tête de chien de garde, il me fait. Vas-y, parle pas de moi, mère, ou je te défonce. Ah. Alors? Bref, je voulais l'assassiner par derrière, mais bon, c'est pas grave, j'ai bien compris qu'il voulait pas. Bon, bah, parfois. Allez! Il est temps de voir ce qui nous attend au bout de 20 minutes. T'arrêtes de te marrer parce que tu t'es chié dessus juste avant, donc fais pas la maline. C'est la guerre, camarade. Bah oui, c'est la guerre, mon pote. C'est la guerre. C'est la guerre. Il vaut mieux mourir au service de la volonté du roi, car celui qui meurt au service d'un autre sera couvert de honte. Alors il a bien raison, Pagan. C'est faux. Eh, je peux passer par là? Oh, attends, je vais faire bugger la cinématique. Attendez. Moi, j'adore faire les glitches du jeu. Non, ça marchera pas. Allez, n'oublie pas le mec. Hey, Badra. Salut. À moins que tu préfères Tarun Matara. Tu peux m'appeler Badra. Pour l'instant. Ça va pas?
Celui qui prendra le temple de Jalendu sera notre chef. L'avenir du Kirat est en jeu, et je suis prise entre Amita et Sabal. Tu les as vus, tu sais comme ils sont. Amita insiste pour détruire le temple. Elle dit que ça libérera les femmes du Kirat et... que ça nous fera oublier des traditions dépassées comme la Tarun Matara. Je croyais que Tarun Matara était une bonne chose. À en croire Sabal. S'il prend le contrôle du temple, il mènera la cérémonie pour me sacrer Tarun Matara. Il dit qu'en acceptant nos traditions, on deviendra plus fort. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Je veux un Kirat libre. Mais je peux pas choisir moi-même. Amita et Sabal ne seront jamais d'accord, alors... c'est à toi de jouer, AJ. Tu as déjà fait beaucoup, le Sentier d'Or voudra t'écouter. Mais tu dois bien comprendre que... celui que tu soutiendras à Jalendu deviendra le leader incontesté du Sentier d'Or. Et une fois Pagan vaincu, ce sera aussi le leader du Kirat. Ok. Je crois que je sais ce qu'il me reste à faire. Merci. Putain, mais alors ça, c'est me prendre par les sentiments, hein. Oh là là, j'avais complètement oublié cette petite. Aïe, 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 on va vraiment choisir. Oh. Oh my god. Mais, hé, mais c'est pas vrai. Mais on a déjà dit qu'il fallait pas jouer avec le feu. Ah. Bon bah... ils sont morts. Amita. Oh mon dieu, Amita, 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 écoute-moi. Badra m'a dit que tu te préparais à détruire Jalendu. Il s'agit pas seulement de détruire le temple. Ce que je veux, c'est envoyer un message à tout le monde. C'est un grand jour pour le Kirat. C'est fini, nous ne sommes plus enchaînés au passé. Sans la Tarun Matara, les gens réaliseront enfin qui est vraiment Sabal. Un idiot, un simple d'esprit, un menteur qui squatte des ruines. Prends tout ce qui a de la valeur, on pourra le fondre et le revendre. Putain, mais elle a pas les bons mots. Mais pour ce qui est du temple, je veux que tu le détruises. Complètement. Mais non, mais tu me donnes pas envie, ma sœur. Mais elle donne pas envie. Je suis désolé, je sais que je suis sûr que vous voulez que je fasse ça. Guerre culturelle, mais non. Mais putain, en fait c'est ça là. C'est ce truc là-bas en fait. Le temple. Elle veut que je le détruise. Alors que il y a 5 minutes j'ai dit qu'il était magnifique en plus. Non mais attends frère, c'est trop, c'est trop. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça balle. Il paraît qu'Amita veut s'attaquer à Jalendu. Cette pauvre demeurée. C'est déjà dur de voir Pagan tout détruire autour de nous, et en plus, ça lui mâche le travail. J'en ai assez. Tu ne peux pas savoir ce que Jalendu signifie pour le Kirat, et aussi pour Mohan. Il est fier de toi, tu sais. On s'empare du temple. On purifie Badra. On unit notre peuple dans la lumière de Kira. Ah! Attendez! Oh non, c'est trop! C'est trop! C'est trop! Sécuriser le temple de Jalendu. Bon, c'est la guerre à côté, hein. Le seul truc qui me dérange. Non, mais les gars, je suis désolé, mais Sabal. Sabal. Je suis désolé. Mais pour beaucoup. Sabal, il a raison quand même sur pas mal de choses. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'il veut purifier Badra et que Badra, elle en a pas envie. Donc si je dois trancher, c'est vraiment pour cette gamine là-bas. Hein. Mais c'est un désastre là ce qui se passe là à côté là depuis tout à l'heure. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Moi, je peux rien faire là. Je vais trancher, les amis. Je sais que vous allez être probablement contents. Mais si je le fais, c'est uniquement pour Badra, la petite fille. Mais certainement pas pour Amita, parce qu'Amita elle est complètement tarée. Elle est complètement tarée, même si voilà, elle a vécu des choses. On le sait, elle a un background, elle a un background. Vas-y, c'est bon frère, allez c'est bon, allez hop. Allez hop. C'est la première fois que je choisis Amita, voilà. Je... oh mon dieu. Rendez-vous au temple Jalendu, y a pas de problème mon frère. J'aurais pu prendre le coffre, c'est pas grave. Ah, je suis deg de ce que je suis en train de faire, putain. Je suis vraiment deg. Mais au fond...
C'est ce qu'il faut faire. Essaie. Avant de détruire le temple, trouve et sécurise le coffre qui contient l'or. Si tu as besoin d'un coup de main, des guerriers du Sentier d'Or sont prêts à t'aider. Des hommes de confiance. Merci, Amita. De toute façon, je m'en fous, j'ai fait la part des choses parce que je n'ai jamais écouté Amita jusqu'à présent. J'ai toujours détruit l'opium, donc la drogue. Donc pour moi, j'ai respecté mes valeurs, tu vois. Jusqu'à présent, je respecte mes valeurs, mes convictions. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du bise avec, avec quelque chose qui tue des gens, quoi, tu vois. Donc voilà, on a détruit l'opium, etc. Là, elle veut refaire du business avec de l'or. C'est quelque chose d'un peu plus, voilà, un petit peu plus éthique, j'ai envie de te dire, puisque de toute façon, c'est un peu la valeur de base. Donc voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait. Moi, je fais ça pour la fille. Je maintiens. Je fais ça pour Badra parce qu'elle veut pas être purifiée, la pauvre. Elle veut juste être libre. Ah, ça m'a saoulé. Pourquoi je suis en train de faire ça? On va détruire un temple. On n'est pas obligé de détruire le temple. Il est joli, putain. Respectez vos valeurs, non? Je sais pas. C'est pas vrai. Bon, bah, on va y aller, hein. Ah ouais, non, mais d'accord. Ah ouais, ouais. Je suis mort. Attends, il y a un point là-bas. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Ah, il y a un truc que je comprends pas. J'ai peut-être sauté les étapes. Ah! J'ai peut-être sauté les étapes. Aïe, attends. Ouais, j'aurais peut-être pas dû. Alors attendez, bougez pas, on va retourner là-bas. Je me suis un peu enflammé, voilà, je l'avoue. Ok. D'accord, c'est gênant. Ah, va falloir que je prenne un bateau peut-être. Je ne sais pas, c'est très joli, hein. C'est très joli. Ah. Ah non, mais c'est les copains. Ah, je suis teubé. Allez, c'est les copains, on est bien. On est prêt à attaquer la base quand tu veux. Tu peux monter à bord et venir avec nous, ou y aller de ton côté et on intervient dès que ça commence. Ok. Bah, je vais rester avec vous, hein. On va quand même garder quelques munitions. Ah, j'aurais dû prendre mon RPG quand même. Hop. Allez. Temple de Jalandou. Ah, ça c'est gênant. Ah, ça c'est gênant. Allez les amis. Allez, faut mourir là. Voilà, allez hop. Allez hop. C'est du propre. Accéder à la chambre forte. Y'a pas de problème. Moi j'y vais à la chambre forte. Ouvrez l'accès aux rebelles. C'est gênant. Ok. C'est par là, j'imagine. Wesh. Ok, des munes. Ok. Ok, c'est par ici. Je peux ouvrir. Hop. Hop. Ah, j'aurais pu désactiver les alarmes en vrai. Enchaîne! Enchaîne! Oh non. Oh, je suis pas mort. Oh! Comment ça, je suis pas mort? Incroyable. Incroyable. Regardez-moi ce gameplay de dingue. Ah! Bah ouais, j'ai pas de RPG. Voilà, pas besoin de RPG. Par contre, il me reste plus que 3 patates. Posez le C4. Ah. Hop. Et de une. Ok, très bien. Hop. Et de deux.
Montez à bord du bateau. Quoi? Wouh! On a besoin de toi au bateau. Et vite! Je suis là! Ah, j'ai fini. Wouhouhouhou! Quand le feu d'artifice démarrera. Bravo, AJ. Les bateaux sont chargés, on est prêt à partir. On n'attend plus que toi. Mitrailleuse lourde. Oh my god! Oh my god! Voilà! À qui le tour? J'adore ce jeu! J'adore ce jeu! Ah! Voilà! Waouh! On est en train de détruire tout notre passé, c'est incroyable! Superbe! Ah! Ça c'est gênant ça! C'est bien, on détruit toutes les traditions du Kirat, j'adore! Merde! Ok! Bon bah voilà hein. Ça se passe plutôt bien. Bon il y a toujours l'hélicoptère là-bas. Mais bon il a l'air un peu seul. Et là il y a les copains qui nous attendent. Allez let's fucking go. Qu'est-ce que vous auriez fait là? Dites-moi en commentaire, je suis assez curieux. Waouh. Ok. Non mes frères, on va éviter de mourir comme des débiles. Alors qu'est-ce que vous auriez... Échec. MDR. Mais MDR. Mais MDR. Allez de retour, purée, quel enfer. Mais frère. Ok. Ah en fait il y a eu un bug, l'hélicoptère il nous avait bloqué. Genre, bon bah voilà. Guerre culturelle, mission terminée, je vais me faire enculer par sa balle. C'est fait, Amita. Merci, AJ. Je croyais que ma dernière heure était... Sa balle n'est plus aux commandes. Et Badra est enfin libéré de ces conneries de Tarun Matara. Et en plus, maintenant nous avons de l'or pour nous sortir du trou puant dans lequel il voulait nous laisser. AJ, c'est un grand jour pour le pirate. Alors, pour ce que j'ai fait, j'espère au moins qu'elle va me faire une pipe. Hein. Franchement, c'est la moindre des choses, quoi. Franchement, c'est la moindre des choses. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ouais, pas de problème. On fait ça. Comment je fais? Comment je fais? Je sais pas, moi, vous libérer. Comment je suis censé vous libérer, les gars? Ah, voilà. Vous m'avez sauvé la vie. Oui. Bon les amis, on a un clocher. Bah on a le clocher juste ici, ça tombe bien. Et on va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode. Une fois qu'on aura fait le clocher, cet épisode aura été légendaire. Dommage l'échec de mission, mais ce n'est pas de ma faute. C'est encore une fois la faute des bugs. On a deux mastodontes, très bien. Pas du tout. C'est pas des mastodontes, c'est des chevaliers. C'est marrant, ça a quand même leur équipement. On dirait vraiment des chevaliers. Les chevaliers du fiel. On va se prendre un mastodonte dans la gueule, je le sens venir, mais maintenant on peut les assassiner donc c'est bien. Hop, voilà. On enlève cette merde. Hop, tu la fermes. Hop. Edley, je t'ai déjà parlé de mon tout premier sosie. Pas celui que tu as descendu, non, ça c'était le numéro 3. Ou peut-être le 4. Mais bref, le tout premier, il s'appelait Jong. Au début. C'était génial, il était parfait, il faisait son boulot à la perfection. Mais à l'époque, je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait faire, de devenir moi. Il est devenu complètement taré. Mais pas à force de décapiter des gens et de boire du sang. Non! Ce qui a causé sa perte, c'est un incident particulièrement gênant. On l'a surpris avec le costume complet à tenter de s'introduire dans un parc d'attractions avec un faux passeport de la République Dominicaine. Là, c'est le meilleur moment. Sous un nom chinois qui pouvait se traduire par « ours gradubide ». Quel putain de débile. Ah, il est vraiment bon délire, Pagan. Ah, il est vraiment bon délire. Ah j'ai hâte de le retrouver quand même hein, qu'on finisse le repas qu'on a commencé quand même. Eh mine de rien. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, je peux passer là? Ouais, parfait.
Parfait. Allez, ça dégage, messieurs, dames. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vraiment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, le dislike, le commentaire aussi. Quel choix auriez-vous fait, Amita ou Sabal? Et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait, les amis. À demain 16h pour la suite de l'aventure Checkpoint de Jalan du Sud. Temple de Krulinga, Saïda. Comme d'hab, des mots de paf wifi. Hein. Et puis le marché de Mansa. Ouais, ouais, ouais. Plein de bisous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.